Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 15e jour de Discoveria. C'est bon, on en est enfin à la moitié. Je vous avoue que ça fait long là, mais en même temps, je prends beaucoup de plaisir à vous présenter des choses que j'aime. Aujourd'hui, on va parler webtoon puisqu'il s'agit de Secret Playlist que j'ai déjà présenté lors d'une vidéo, mais on peut en reparler parce que c'est toujours aussi bien. Donc, Secret Playlist est écrit par quelqu'un qui s'appelle 2F, enfin, c'est son pseudonyme. Et on est sur une histoire d'identité cachée. Parce que du coup, c'est l'histoire de Hanju qui est une étudiante dans une université assez banale, je dirais. Sauf qu'elle mène un peu une double vie parce qu'elle est aussi artiste sur YouTube. Mais le YouTube, vous voyez, quand vous voulez pas payer les droits et que vous changez le nom. On n'est pas là pour juger. C'est une artiste qui ne montre jamais sa tête, mais qui est... en train de devenir de plus en plus connue, notamment parce qu'il y a un membre d'un groupe très connu qui commence à s'intéresser à elle et qui a envie de faire une collaboration. Sauf qu'elle ne veut pas révéler son identité, elle veut en fait garder l'anonymat à tout prix. Mais quand quelqu'un d'aussi important, puisque c'est une star qui est quand même très connue, commence à s'intéresser à vous, difficile de garder son identité cachée, surtout que, revirement de situation, ce personnage en fait, cette star qui s'appelle Levi, est aussi dans sa classe à l'université. Le monde est petit, n'est-ce pas? Et du coup, Levi ne sait pas que Hanju dans la classe et son personnage du coup sur YouTube, c'est la même personne vu qu'il n'a jamais vu sa tête. Et donc l'histoire part de là et c'est palpitant, il se passe beaucoup de choses, pas mal de gens qui sont mal intentionnés et qui veulent tout faire pour percer dans le domaine musical et etc. et qui plagient entre guillemets. Mais je trouve que c'est super intéressant, je lis pas beaucoup de choses sur la musique, mais il n'y a pas énormément de choses sur la musique je trouve, ou alors c'est juste que je suis pas bien renseignée. Mais en tout cas je trouve ça trop intéressant et les dessins sont très beaux aussi, je peux vous mettre quelques dessins par-ci par-là. Et si je devais donner 3 points, je dirais déjà musique, anonymat et rivalité. Oh, un quatrième, romance. C'est tout ce que j'ai à dire. Ah, et combien d'épisodes il y en a? Je ne sais plus. Actuellement, on est à 49 épisodes, donc ça va, c'est rattrapable. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et on se retrouve demain pour une nouvelle recommandation. Bye bye! The time of the year, now, you got people falling in love.